Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Beyond Good and Evil. C'est un jeu magnifique. Donc, que vous avez pu apercevoir hier. Donc, en live. Tiens, ça c'est pour le spécialiste. Ouais! Une Barocco D53 modèle à percussion cisaillement! Je la prends! On est allé me voir avec monsieur Lucas Tigal. On cherchait. Ouvrez les yeux. Les sections alpha sont les complices des DOMS. Rejoignez le réseau Iris. Ouvrez les yeux. Les sections... Ok. Poussez-vous, ma petite dame. Merci. Du travail de professionnel. Pas de pitié pour les gris. La morue au kiwi et chocolat de ma tante Hortense. Merci encore, Jade. J'ai débranché mon casque sans faire exprès. Voilà. Depuis tout à l'heure, il était débranché au câble. C'est pas grave. Je mettrai une annotation. Voilà. Ah, attendez, excusez-moi, je coupe mon portable.
parce que je vais recevoir un message normalement. Voilà. Je veux pas tout vous expliquer. Parce que si j'arrive à prendre ça, ça peut être pas mal. Allez, j'espère que je vais pouvoir prendre en photo. J'ai failli la prendre, je suis trop content. Je sais que c'est possible. Félicitations, les données sur les mollusques sont rares. Mais par contre, elle me donne pas plus de fric pour autant. Vous voyez, je prends tout en photo, hein, mais vraiment tout, tout peut être aussi. Ok, je retourne par où je suis parti, j'y tourne. Là je cherche pas trop pour l'instant parce que ça c'est facile, ça va, mais après je galérerai je pense.
bruit, l'ambiance, c'est quand même bien fait. Allez, merci mon petit père. D'accord. Pour un bon petit, une bonne petite côte de porc ou un bon petit lambeau. Ah, je rigole. Identification compte. Ok. Ok. Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. Je sens la merde. Oh là ! Eh ! Et pas pour moi, Jade ! Ah non. En fait, non, je sens pas la merde, ça. En fait, c'est juste que... Hey, Jade ! On reste ensemble, Mildew ! T'inquiète pas, je suis là, il t'arrivera rien ! Ouais, c'est ça ! Fous-toi de ma trousse en plus ! On y va. Attaque Jet Boots. Maintenant. On y va. À toi de jouer. Maintenant. Oh là là. Allez, il faut toujours se dépêcher, allez hop. Normal. Oh pardon. Merci, Jade. Sans toi, je crois que... Y a pas de quoi, vieux Bresca. Allez, en route. Je sens que le meilleur est à venir. Alors, on y va. Ok. Faut que tu m'ouvres, Jade. Ah, y'a du coup. Donc, je vais sauvegarder. Hein. Mais on va pas. Bonjour, madame. Livraison de pizza. Pas terrible. Allez, reviens.
Putain de merde, mais reviens. J'ai comme l'impression que t'as mis les pieds juste où il fallait pas, ma petite Jade. Donne-moi ton signal, Jade. Incroyable. Encore des Palinurus dans la... Bah attends, quand il y en a plus, il y en a encore. Maintenant. Allez. On y va. Attaque Jet Boots. Maintenant. On y va. À toi de jouer. Je savais pas qu'elle avait aussi le mode gourdin, ta pince multi-usage. Modèle D53, ma petite dame. Avec cisaillement et percussion. Les coquilles de Nautile passionnent mes collègues. Identification compte. Ok. Une boîte de K-Bops régénère toute votre énergie. Un Starkos régénère votre énergie. Une boîte de K-Bops régénère toute votre énergie. Bon bah, je pense que je vais arrêter là. Je sais pas. Ouais, je pense que ça pourrait être bien. Et je retournerai peut-être un épisode par la suite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue encore 5 minutes? Je sais pas trop. Bon, allez. Je continue encore. Allez. Soyons fous. Il va se pousser là. Jade, t'es la meilleure.
Bonjour, madame. Voilà. Hé, Jade, regarde les deux bestioles du front. Tu leur tires le portrait? Splendide. Je transmets à Monsieur de Castel. Allez hop, maintenant le monstre. Faut que je prenne en photo aussi. Au risque de crever, je préfère prendre. Et voilà. What the fuck? Ça fait trop peur en fait. Rolimax, c'est un animal d'Homs. Si c'est un animal d'Homs. J'adore cette musique. Allez, c'est parti, go. Excusez-moi, je fais quelques petits réglages. Donne-moi ton signal, Jade. D'accord. Voilà, il arrive, putain de monstre. Eh oh, monstre de merde, t'es où, monstre? Monstre de merde. Monstre. Ok. Très long les boss comme ça, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est le plus long en fait. Voilà. Okay.
une jeunette et un vieux bout de l'art. Ouais, on a réussi. Et donc, je vais m'arrêter sur ça. Ouais, une perle. Donc, je prends la perle. À prendre. Voilà. À mon avis, il est pas très très net, ce... Monsieur de Casteltruc. Félicitations, mademoiselle Jade. Tais-toi. Vous avez... J'ai deux mots à dire à ton patron. Ah, monsieur de Castellac n'a jamais existé. Je crois que je vous dois quelques explications, mademoiselle. LOL. Trop marrant. Montez. Voilà. Ça, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, ça. Mademoiselle Jade, vous avez brillamment réussi votre test en situation. Comment ça, un test? Oui. Excusez-moi pour cette mise en scène. Je me présente, je m'appelle Anne, je fais partie du réseau Iris. Le réseau Iris? L'organisation rebelle? La résistance, oui. Contre une menace que tout le monde ignore. Si personne ne réagit, c'est toute la population qui va y passer. Avec l'aide des sections alpha, nous pouvons repousser les Doms. Les sections alpha ne sont pas du tout ce que vous imaginez. Pour chaque personne qu'ils sauvent, ils en font disparaître 10 autres. Les sections alpha nous défendent depuis des générations. Ils soignent les blessés, repoussent les attaques Doms. C'est ainsi qu'ils gagnent votre confiance, qu'ils endorment votre méfiance. Ils vampirisent toute la planète comme ils l'ont déjà fait pour des centaines d'autres. Le gouvernement Ilien n'a pas eu le temps de réagir. Il s'est fait complètement museler. Mais nous pouvons arrêter les sections Alpha. Ah oui? Et comment on peut faire? J'y viens. Ils savent pertinemment qu'un soulèvement de la population leur serait fatal. Apportons au peuple l'épreuve de ce complot et nous aurons la victoire. Jade, plus que jamais, le réseau Iris a besoin de personnes comme vous. Ralliez-vous à notre cause. Ouais. Akudabar, demandez Belle Mirette. Vous êtes libre de choisir votre camp, Jade. Belle Mirette, tu dis? À l'Akudabar. Ah, j'y pense, retenez bien notre mot de passe. À l'abri dans sa coquille, la perle et l'esclave des courants. Mesure de sécurité? La discrétion est notre mot d'ordre. Ah, au fait, j'oubliais votre récompense. A très bientôt, mademoiselle Jade. Alors, que pense mademoiselle Jade de tout ce charagoyen? S'il existe un moyen d'arrêter cette guerre, on n'a pas le droit de passer à côté. Ah, il y a un décalage son. Il est gentil, non, monsieur Anne? Bon. On verra bien ce qui se cache derrière tout ça. Je vais sauvegarder. Et puis allez, on va à la Akudabar, on demande Belle Mirette. Alors ça, je l'ai fait il y a pas longtemps, ça, je sais comment on fait. Je l'ai fait, ben, quand je suis allé chez ma grand-mère, il y a une semaine, je l'ai fait. Donc, fallait que je demande Belle Mirette. Alors, donc déjà, je sais, il y a une perle, je sais où la piquer. En plus, à la Akudabar... Belle Mirette, tu connais? Akudabar, quartier pied. Mamaro. Vous approchez d'une zone dangereuse. Pour votre sécurité, veuillez faire demi-tour. Je veux rien savoir, l'animal! Il nous faudrait un canon neutralisant. Main de perle. Trois perles, pas assez. Donc je vais là-bas et ce sera bon. Thank you.
faudra qu'on aille faire un petit tour au quartier piéton, un de ces quatre. Quand tu veux. Il y a encore eu 40 personnes enlevées cette nuit. Identification compte. Ok. Salut Mo. Salut Zod. Ça avance vraiment bien. K4Z5 code. Chambre. Je sais plus laquelle dire. K. 4. 7. 5. Z. J'ai mal fait. Z. Ouais. Z. 5. Avancez, mademoiselle, venez tenter votre chance. Désolé Rufus, je te force un peu la main, mais Ilis en a plus besoin que toi. Thank you.
Ben en fait. Identification compte. Ok. Je te donne la chambre numéro 3. Je suis sûr que tu l'apprécieras. Il y a une magnifique armoire ancienne. Je te recommande d'y jeter un œil. Bon travail! P9, Q5. Moi je note tous les codes sur un papier. Très belle Star Noir. Wow. Mes amis, laissez-moi vous présenter Jade, notre nouvel agent. J'espérais que tu viendrais, un proche. Voici May, rédaction et diffusion de Iris, notre journal. Nino, écoute radio, transmission et colleur d'affiches infatigable. Salut. Sur ces écrans, tu peux voir la plupart de nos correspondants. Ils opèrent à travers l'univers sur plus de 13 systèmes différents. Tu connais déjà Belmirette? C'est lui qui a eu l'idée de te proposer le job, il savait que tu réussirais le test. Hé hé, bien sûr, ça crevait les yeux. Elle a du talent, la petite. Bien, écoute, Jade. Les événements s'accélèrent. Une bombe d'hommes a explosé dans les canaux. Bien sûr, les sections Alpha ont bouclé le secteur et ont embarqué tout le monde. Pour les soigner, tout simplement. Aucun hôpital n'a reçu les victimes, Jade. Dès l'annonce de la nouvelle, le gouverneur d'Ilis nous a contactés. Elle est prête à nous aider, mais son QG est sous surveillance. Tu peux nous aider à sauver ces gens, Jade. Nino, fais-nous un point sur la situation. Voilà ce qu'on sait. Les victimes sont enlevées par des agents des sections Alpha. Elles sont ensuite acheminées jusqu'à la fabrique de neutrines. Les navettes prennent le relais jusqu'aux anciens abattoirs. Puis, chargement dans un croiseur militaire, direction la Lune. Nous ignorons ce qu'ils leur font subir. Aucun de nos agents n'est revenu de ces endroits sinistres. Il y a 4 jours, nous avons perdu la trace de Double H dans la fabrique de Nutri. C'était notre meilleur agent et un ami. Double H devait rapporter des preuves du trafic des Doms. Ces derniers clichés sont terrifiants. Un mangeur d'esprit. Il faut reprendre la mission, Jade. Tu peux refuser. Continue. Nous avons besoin de preuves. 1. Tu t'infiles. 2. Tu manges tout le monde. 3. Tu prends des photos des sections Alpha et de leurs défis. Tu resteras en liaison permanente avec May et diffuseras tes clichés aussi vite que possible. Ouais. Les gens doivent connaître la vérité. Moi aussi, je dois savoir. Je dois savoir qui dit la vérité dans tout ça. Bien, voici un city pass officiel, fourni par le gouverneur. Il t'ouvrira certaines portes. Bonne chance. Jade, si tu veux, je t'ai gravé un M-disque. Je te l'ai mis là. Tout y est expliqué en détail.
Voilà, donc cette fois j'arrête. Au revoir et à bientôt, c'était The Tuto Fool. Allez, à plus. Une série française sur un jeune homme qui s'appelle Jérémy Belpois, qui est en quatrième à l'école, au collège Cadic, et qui a découvert un super ordinateur. Et ce super ordinateur a quelque chose de particulier, c'est que ce super ordinateur peut peut nous emmener sur un monde virtuel qui s'appelle Lyoko, où il découvre une petite fille qui s'appelle Aelita Stones. Aelita, oui.